Wesh l'équipe, wesh bien. Ouais, je voulais vous dire, ouais, parce que j'ai eu des petites news. Il y a quelqu'un, apparemment, il a eu Bassem sur son snap. Il a effacé sa story. Il a dit, ouais, là, on va aller à Paris, on va aller tirer sur la famille de Marc. Il a dit, on va aller tirer sur sa famille. Ah ouais, quelle mouche t'as piqué, Bassem. Pourquoi tu t'es en sang comme ça, t'es pas bien. Pourquoi tu. Frérot, je comprends pas. Wallah, je croyais que j'avais un adversaire solide. Je croyais que t'étais solide, t'avais de la répartie et tout. Je me suis dit, on va rigoler un petit peu, tout ça. Ah ouais, voilà, je t'ai déstabilisé, frérot, t'es en PLS. Ah ouais, t'es parti wanted, ma famille. Voilà, ressaisis-toi, frérot, ressaisis-toi. T'as encore une chance de récupérer la communauté, ma gueule. T'as vu la communauté à qui tu mens toute la journée, tu peux encore la sauvegarder, frérot. Mais ressaisis-toi. Montre-leur pas comme ça que t'as la haine, comme ça, que tu me wanted, que t'en peux plus, tout ça, tu vois. C'est mieux des fois d'ignorer, chacal. T'as vu, t'ignores, tu dis bon, vas-y, tranquille, tu vois. Frérot, au bout d'un moment, tu sais très bien. Je pouvais pas laisser les gens de ta famille essayer de me prendre de l'argent. Tu le sais, ça, Bassem. Tu le sais, mon frérot. T'as vu, je suis pas une tronche. Tranquille, mon ref. C'est-à-dire, t'as vu, chaque chose en son temps. Quand les choses, elles devaient se régler proprement, elles se sont réglées proprement. Et maintenant, une petite crotte de nez comme ça, taf. Voilà, c'est tout. Tranquille, mon ref. Pas la peine d'aller tirer sur les gens. En plus, je pense que ton snap, il est grave surveillé. Frérot, tu veux faire du sga? Je suis ici. Je suis pas là-bas. Pourquoi tu veux aller là-bas, chacal? Non, parce que je veux pas qu'il y en ait qui commencent à s'en mêler en disant, mais il s'en prend à Bassem gratuitement. Ouais, Bassem, il vous fait tous claquer des fesses. C'est personne, Bassem, je vous le dis, frérot. Je vous le dis clair, c'est personne. Si c'était quelqu'un, ça ferait bien longtemps qu'il réglerait ses affaires tout seul. Mais comme c'est personne, c'est qu'un pantin des réseaux, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens à la rescousse. Ouais, l'équipe, je vais mettre son adresse. Ouais, l'équipe, quelle équipe, frérot? Viens tout seul, ma gueule. Regarde là, il y a l'équipe de quoi là? Tout seul, je suis tout seul, gros. Pourquoi tu fais équipe? Pourquoi tu parles d'équipe? T'as plus ton bracelet. Prends ton billet d'avion comme un grand. Fais un buzz. T'as vu? Fais un buzz. Prends ton billet d'avion. Viens régler tes histoires au lieu d'envoyer, de menacer la famille des gens, miskin. On a tous des darons, tout ça, c'est pas bien. T'as capté, mon ref? Tranquille, ma gueule. Après, si c'est l'histoire du Maxi Best of Tête que t'as pas supporté, frérot, tranquille. Ouais, j'avoue, c'était petit. Bon, après. C'était pour me la rac un petit peu sur toi. T'as dit, ah, frérot, on rigole. T'as dit, toujours dans l'humour. Bah, frérot, t'as failli faire une crise d'épilepsie. T'étais arrivé, t'étais en train de m'insulter de tous les noms. J'ai pas compris, frérot, t'as bugué. Tu m'as insulté de tous les noms pendant 6 minutes. J'ai compté, frérot. J'ai dit, ah ouais, 6 minutes, il m'insulte le mec. Ah ouais, non, t'es chaud, frérot. Bah, bégaye pas, frérot, bégaye pas. C'est de juste titre que je viens te croustiller. C'est normal que les gens ne pensent pas que je fais ça gratuitement. Bah oui. Ah oui, frérot, parce que là c'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. C'est l'heure des croustilles. C'est la famille. J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, le suspense a assez duré parce que je recevrais vraiment trop de messages. J'étais obligé d'avancer croustille, t'as capté. Donc je vais vous expliquer. Il y en a beaucoup qui suivent quelqu'un au nom de Bassem. Et ils le suivent. On aime tous un petit peu Bassem. On est tous un petit peu Bassem au fond de nous, t'as capté. Même moi, quand il m'insulte, je l'aime un peu, en vrai de vrai. T'as vu, c'est un mec chelou, mais t'as vu, je suis un peu, t'as vu, t'as capté. Je l'aime bien autant que je le déteste, je crois. Tu vois le délire? Rentrons dans le vif du sujet. Il y a quelques mois de cela, parce que ouais, c'est une histoire de, il y a des mois, chacal. T'as vu, chaque chose en son temps. Il y a quelques mois de cela, je sais pas si vous vous souvenez, il y a Coupe Chien qui a dit, ouais, j'ai une avocate israélienne. Vous vous en souvenez de ça? Et voilà que ça avait fait rigoler trop de gens. Ça avait fait rigoler trop de gens, chacal. Il y a trop de gens, ils ont rigolé de ça. Même moi, je lui dis la vérité, mais moi, je me suis foutu de sa gueule. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a dit, ouais, j'ai une avocate israélienne. Et lui, il était persuadé. Mais en fait, c'était pas un menteur. C'était pas un menteur. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Parce que tout est lié. En fait, t'as vu Bassem? Il parle beaucoup sur les réseaux, nanani, de la sœur des gens. Il poste des mariages comoriens. Il poste des mariages congolais, il poste des mariages mixtes, il se fout de la gueule des gens, il poste des couples mixtes, il sait pas les sœurs de qui il poste, etc. Il y en a beaucoup, frère, il l'attend au tournant, etc. Il sait pas, il fait le mec, il se cache. Tu vois ce que je veux dire? Bref, peu importe. Peu importe. La famille, quand les gens ils vous ont dit, ouais, j'ai une avocate israélienne, c'était vrai. Parce que, eh oui, messieurs, dames, Bassem, de base, il y a une ambiance, et attention quand je dis ça, il y a une ambiance de, ouais, à la base, il y a des rumeurs qui disent que son daron, il est feuge. Tu vois ce que je veux dire?
son daron, il est feuge. Jusqu'à là, il n'y a rien de louche. Vous tapez Bassem, juif, tout ça, tu vas voir, il se fout de la gueule des juifs, tout ça, il est pro-antisémite, etc. Bon, il est déjà tombé pour ça, peu importe, etc. Il vit sa vie, je m'en bats les couilles. Le truc, c'est quoi? C'est que t'as vu? En fait, quand tu lis toutes les histoires, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Tu vas grave comprendre pourquoi je te dis ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ta vie, il y a des rumeurs qui disent que Bassem, c'est un feuge, tout ça, nanana. Mais c'est bizarre, parce qu'à la base, c'est un musulman. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a toujours déclaré que c'était un musulman, tout ça, nanana. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez pas remarqué qu'il a du mal avec les gens qui parlent d'islam? Et il peut dire tout ce qu'il veut, hein. Il peut dire oui, c'est de l'intime, ça me regarde pas, je fais pas de l'islam sur les réseaux, patati patata. Frérot, dès qu'il y a quelqu'un qui lui récite quelque chose, dès qu'il y a quelqu'un qui truc, il fait tout pour dénigrer la religion. Que ce soit l'islam comme la religion du judaïsme. C'est pareil. Lui, il fait pas de demi-mesure. À aucun moment, je vous le dis, il fait de demi-mesure. Il n'est pas en mode truc. Il détruit les deux religions. Pourtant, une qui apparemment est la sienne, soi-disant. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que tu es en train de me raconter, gros? Ben non, parce que l'histoire, elle est liée. Parce que quand Koupchen, il a dit, j'ai une avocate israélienne. Qui était cette avocate israélienne? C'était la sœur de Bassem. Ah ouais, frère. Choquant. Bon, Koupchen, forcément. Peut-être qu'il s'est arrangé avec Bassem, il va dire non, c'est pas vrai, etc. Mais faute pour lui, j'ai des notes vocales. Donc voilà. Donc en fait, on a quelqu'un qui est avocate et qui s'autoproclame israélienne. En mode, hey, moi je suis. T'as vu, je suis juif, hein? T'as vu Et pourtant, en ayant vu cette personne-là, c'est en mode musulman, tout ça. Donc je comprends pas en fait. Moi, pour moi, à part avoir fait un bilan en me disant, t'as vu, c'est des gens dérangés, j'ai rien fait d'autre comme bilan. Mais là, ça s'arrête pas là. Je vais vous expliquer pourquoi je vais vous montrer son vrai visage. Parce que quand il y a des gens qui sont venus ici pour soi-disant nous mettre en prison, et vous savez très bien de qui je parle, on va pas leur donner de buzz, frérot. Ils ont tous sorti leur. En ce moment, c'est moi, je mets Snap en feu, frérot. Sans me jeter des fleurs. Ils sont arrivés, ils ont tous sorti leur planche de surf en disant ah, Marc Blata. Moi, je vous dis juste des vérités, je m'en bats les couilles de Bassem. Je dis ce que j'ai à dire et il sait très bien ce que j'ai à dire. Et t'as mérité. Et si t'as quelque chose à faire, tu viens le faire tout seul. T'as mérité. Donc ta sœur, elle est ici et elle aide les gens à porter plainte et à nous mettre en prison. Ah, elle aide les gens. Mashallah. Elle aide les gens. Qui est elle en prison ici? Ah. En tout cas, c'est pas moi. C'est peut-être le gars qu'elle a aidé, non? C'est peut-être le gars qu'elle a aidé, non? Ouais, je crois que c'est le gars qu'elle a aidé. Parce qu'en fait, cette meuf, qui est ta sœur, Bassem, elle est venue et elle nous a menti au nom d'Allah. Elle est venue, elle est partie voir Nadé et elle a dit Nadé, Wallah, Hakadin Islam, t'as vu? Je peux t'aider. Mais pour t'aider, je peux plaider pour toi contre ces gens-là, je peux porter plainte. Mais c'est 12 000 euros. Après, elle a dit non, attends, Nadé, je connais le mec qui a mal parlé sur toi, etc., etc. Si tu t'arranges avec lui, je pense qu'il veut juste de l'argent. Je pense qu'il veut peut-être, allez, je te dis une bêtise, 10, 15, 20 000 euros et après on s'arrange. Ce qu'elle était en train de faire et ce qu'on savait pas, c'est qu'elle était en train d'essayer de nous soutirer de l'argent. Et qu'elle était en bise-bise avec les gens qui sont venus ici pour porter plainte contre nous, chacal. Et tu crois que je vais laisser faire ça? Et tu crois que je vais pas te terminer? Aujourd'hui, c'est fin de carrière, chacal. Parce que cette fille-là, pour gagner la confiance, malheureusement pour toi, c'est toi-même qui le dit dans les vocaux, elle a beaucoup trop ouvert sa bouche. Donc Bassem, je vais te répéter ce que t'as fait. Comme ça tu vas comprendre. Et après je vais mettre les notes vocales pour te terminer. Je vais te souhaiter une bonne soirée. Et si t'as quelque chose à faire, encore une fois, tu le fais tout seul. Tu viens. T'as plus ton bracelet, tu viens. Ouais, les frères, pour la haja, achetez-lui un frigo. Faites une quête. Tu voles les musulmans à longueur de temps. La TH, t'en as rien à foutre. Tu n'aimes pas la TH, frère. Tout ce que tu veux, c'est faire des placements de produits parce que les musulmans ont de l'argent et tu l'as bien compris. Tu l'as bien compris. Tu détestes ta communauté autant que la communauté juive. Ça transpire à travers tes yeux et tes propos sur le net. Je prends 2 secondes pour avoir un débat constructif et pour que les gens qui te suivent, essayer de leur éclaircir un petit peu l'esprit parce que j'ai l'impression que tu les as omnubilés ou gourouisés ou je ne sais pas quel adjectif je pourrais utiliser pour dire à quel point je suis mais outré de voir que autant de jeunes t'adulent.
Tu n'es qu'un père de famille qui a raté sa vie. T'habites chez ta maman. Tu t'es fait monter en l'air en bas de chez toi. Et tu es toujours là sur les réseaux à insulter et à chercher la merde. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Tu penses que tu peux menacer sous prétexte que ouais, j'ai des gens derrière moi? Je vais t'expliquer, frérot. T'as vu, t'as du mal à accepter quand les gens ils te parlent. T'as vu, des fois il y a des frères, ils viennent sur ta radio, sans maïkoum, ouais, comme ça l'est, ouais, nanani, nanana. Et dès que le frère il te parle un peu de jean, allez, ta mère. C'est comme ça que tu es. Parce que frérot, que tu le veuilles ou non, ma gueule, tu n'aimes pas les tiens. Tu n'aimes ni la TH ni personne. Tu as couillé tout le monde. Ta sœur a essayé de nous escroquer de l'argent. Oui, et tu le sais. C'est pas une meuf que tu connais. Ce matin, t'as bégayé, t'as effacé ton snap. T'as dit quoi ce matin? T'as dit ouais, non, je crois que t'as des vocaux parce que j'ai aidé une sœur. Non, 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 c'est ta sœur que t'as aidé. Je vais poster les vocaux, c'est ta sœur que tu as aidé, frérot. Ta sœur qui est venue ici. Mais d'ailleurs, Bassem, je vais rompre un mythe tout de suite. Mais t'as une sœur qui sort avec un Renoir. T'as une sœur qui sort avec un Renoir. C'est une dingue. Mais c'est dinguerie. Dinguerie, frérot. Dinguerie, frérot. T'as un... Frérot, tu peux pas dire, je sais pas, frérot. T'as un neveu, il est coiffeur à Lyon, frérot. En mode un peu, t'as vu, hein? T'as capté? Ceux qui ont compris, t'as capté? Un peu efféminé, tu vois ce que je veux dire? Toi qui critiques les couples mixtes, tu en as dans ta famille. Mais quel gourou fais-tu, frérot? T'es un bluffeur, frérot. T'es un bluffeur. T'as renié ta reçue. Est-ce que t'as renié ta sœur? Tu l'as renié? Tu l'as pas renié, frérot. T'es là à critiquer la femme des gens. Ouais, ben, bah, t'as crêle. Nananina, tu vois des petites dans des arrêts de bus. T'es là, tu les insultes depuis. Tu sais pas, c'est les filles de qui? Tu sais pas, c'est les petites sœurs de qui? Frérot, t'as vu, moi, je te parle clair. Tu vas rien faire. Tout ce que tu vas faire, c'est faire du bruit sur Internet. Débloque-moi. Parce qu'apparemment, là, t'es en train de monter à Paname. Et tu m'as bloqué. Ça, c'est pour faire du bruit sur Internet, ça. T'as dit, tu bloques les gens, tu viens, tu truc. Débloque-moi, envoie-moi un message. T'as vu? Si tu viens à Paris, viens. Envoie-moi un message. Je te donne le numéro de quelqu'un parce que je suis pas là. Sinon, tu viens ici. Moi, je peux régler mes affaires tout seul. Mais t'as vu, je peux pas laisser non plus en sorte que tu fasses du mal à ma famille. C'est normal, frérot, tu comprends, c'est de bonne guerre. Donc forcément, tu veux t'attaquer à une famille. Bismillah, frérot, t'as vu? Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, frérot, il va falloir que tu t'expliques sur ta sœur qui sort avec un Renoir et que tout à longueur de journée, tu dis « Voilà que si ma sœur, elle sort avec un noir, je la brûle. Elle et son mari. » C'est ce que tu dis. Alors que c'est comment maintenant? C'est comment là? C'est comment? Je mens? Est-ce que je mens? Bon bref, la famille, vous en savez largement trop. Escroquerie, c'est dire, il est là, il va... Faites des cagnottes pour les musulmans, il garde les sous. Sadek, il vous avait montré son PayPal. Les sous qu'il prend, il fait le miskin. C'est pas un miskin. Alhamdoulilah pour lui, il a de l'argent, mais t'as vu, il vole. Il vole, frérot. Il vole. Ça veut dire, t'as vu, il peut dire ce qu'il veut. On s'en bat les couilles et il s'en bat les couilles de vous. Parce que pour partager les gens de son snap, frérot, il donne pas de la force gratuite. À ce que je sache. Donc, bref. Heureusement qu'il y a une justice divine. Parce que les gens qui ont le cœur noir, comme les tiens, pour venir vouloir racketter de l'argent ou mettre les gens en prison, t'as vu, ça le fait pas trop, chacal. Ça le fait pas trop. Sur ce, je vais te laisser démentir comme t'as l'habitude de faire. Je vais te laisser me menacer comme t'as l'habitude de faire. Et surtout, histoire de pas perdre la face, vu que t'es en direction de Paname ou je sais pas quoi, t'as vu, au moins montre que t'es un mec courageux. Fais pas des snaps en disant hey, je suis là, regardez, je suis devant chez Blata. Nanani, non, non. Pour ton regard, t'as vu, on est déjà tranquille. Débloque-moi. T'as vu, débloque-moi. Donne-moi un numéro. Et voilà, y'a pas trop. T'as vu, frérot, je vais défendre ma famille quand même. T'as capté. Vas-y, tranquille. Donne-moi un numéro. Tu me dis, vas-y, quand je suis là, je t'appelle. Rendez-vous. Fais pas ton ce gars de. Tu passes dans un trottoir et tu dis, ah, j'étais là, il était pas là. Frérot, je suis à Baidu. Viens à Baidu. Maintenant, tu peux pas me dire, tu racontes tes histoires, tes salades. Envoie un numéro, frérot, et vas-y. Hein. Que ça soit toi, Nabil, driver, l'autre salope, l'autre, je m'en bats les couilles, moi. Moi, je prends parti de personne. Ma soeur, elle m'a rapidement expliqué, je me suis embrouillé avec elle. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas parler à ces salopes? Pourquoi tu parles à eux? Moi bien, Blata, la tombe de mon grand-père, ma mère, c'est une pute, je vais le découper en morceaux.
Écoute bien ce que je te dis. Je vais le découper en morceaux. C'est clair, net et précis. Maintenant, ma sœur, je l'ai insultée tous les sens. Même elle, je vais la démonter, grande sœur ou pas. Te mêle pas des influenceurs. Bon alors, je suis un menteur.